Ce centre vise à mener des études économiques, techniques et commerciales sur tous les projets ou coopérations entre la Chine et l'Égypte dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Lors de la cérémonie d'ouverture du Centre des études et des recherches sur la route de la soie, le président de l'Université du peuple de Chine, Liu Hui, a déclaré que le nouveau centre est la pierre angulaire de la poursuite des relations entre la Chine et l'Égypte, en particulier des relations économiques, d'autant plus qu'il repose sur des civilisations similaires entre les deux pays. J'espère que le centre sera le point qui reliera la Chine et l'Égypte avec davantage de liens culturels et économiques, et qu'un grand développement économique démarrera à partir de ce centre. Pour sa part, le ministre égyptien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khaled Abdel Ghaffar, a déclaré que l'Égypte revêt une importance stratégique pour l'initiative Ceinture et Route lancée par la Chine en 2013. Ce centre va soutenir tous les partenariats économiques et commerciaux dans la région, dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, par le biais d'études de faisabilité et d'études juridiques. Après avoir inauguré le Centre des études et des recherches sur la route de la soie à l'université de Anshams, les responsables chinois se sont dirigés vers la maison de la sagesse située au centre-ville du Caire pour participer à un événement culturel. Au cours d'une cérémonie culturelle, le professeur Liu Hui, président de l'Université du peuple de Chine, et le directeur exécutif de la branche de la Maison de la Sagesse pour l'investissement culturel chinois au Caire, Ahmed Saïd, ont participé à la signature du contrat de la traduction en arabe du livre « À la recherche d'une relance mondiale de l'économie chinoise » et à la cérémonie de la publication de la version arabe du livre « Le rôle de la Chine dans la gouvernance mondiale ». Beaucoup d'œuvres chinoises ont été traduites en arabe. Le lecteur arabe peut donc apprendre la culture chinoise. Ses œuvres ont aussi un grand rôle économique. Beaucoup des chercheurs arabes dans les domaines de l'économie, des droits et de la philosophie ont le désir de connaître les cultures chinoises et d'apprendre comment ce pays a pu réaliser ses miracles économiques, scientifiques et technologiques. L'initiative Ceinture et Route vise à réaliser le développement économique et commercial de tous les pays du monde. Mais elle a aussi une dimension et un aspect culturel, à travers le dialogue interculturel et les échanges entre tous les peuples de la planète. Achraf Massoud, pour CGTN français, Le Caire, Égypte.